13, je vous fais plein de bisous. Didi Kinoani, comptoir infinitif. Ruta Okenda, Yangaï Bomoy Ekuma, Malili Malili, Masamba Kinoani. Yakao mela makila nanga ya motema Bongo ye baso kezali nangu ya bolingote Kufananga yo zoluka o sacre zalite Natika liobe na mpinzoli impona monisa yo Sofranso yo ya fond. Ah, Salon Aldema. Mais Cécile, nono lomboto na bie. Recevoir yo awa et puis boye ko voyager pour que bossa l'album et ocha nzembo moko personnellement que j'aime bien mais nzembo explore. Explore voilà titre explore voilà ocha kango l'album Danger des morts Danger des morts et j'ai appelé et tumba ba série wana ouais mais question mo yelingai avant tout ma kamba nzembo wana po nasi sana yango. Quand tu es tombé dans Nzembo, voilà, tu es dans Nzembo, après je vais dans aussi ça non. Au Tchène Nzembo. Mais Nzembo, on a comme si tu n'en parlais pas. Au Célango, on va promoter, même les lots. Au Beta, à quelques concerts, tu préfères faire des interprétations alors qu'aux Anna Nzembo, moi et Beta. Alain Barakuda, pourquoi mon aïe? C'est le combien modifié, n'a pas principe y'a vie, oyo et banda ou ta la nuit des temps. So quoi les mamis n'ont jamais, les l'amour et les binga. Et comme il souci à quoi chichoté dans mon oreille, bon gang a examiné, kanginga n'a pas symptôme y'a liwa. Ma pomme finèbre comme yo, salaba cercueil à taille nanga. Balobi bazwine, kope kito e poulo. Balobi bazwine, shida. Alain Barakuda, yeah. Na yoki uto boyanga, obi makali susute. Alain pour l'amour des anges, ma tata, likola mi. Pour l'amour na yo atanambo. Loko la fata passe por, yeah, yeah, yeah. Ma promenade de santé, pepe ta ouyange comme aya maladie. Na zoluka na mona, ato yuwe, pour na zwa exploit. Malobi bazine, kope jinyo ki ngambe, oh, 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 oh. Partir wow. Wana ma bord wana donc les anzembo na lingala mo trou mais vie à bomaki esprit na ngana ndengo lobi ke na zo tant sel ngo promotion ti c'est vrai parce que nzembo na nga d'abord ils ont 5 minutes déjà musique congolaise ils ont moi impossible on ça nzembo 5 minutes ça nzembo 12 minutes 20 minutes générique à 30 minutes de, donc voilà mais on va la comprendre, il m'a monté, ils ont bien les 5 000, on va réduire dans Nzembo. Et deuxièmement, tant que comme on a la RROSA, l'enregistrement, là où on a dit que ma soeur, mon frère, mon frère, surtout, parce qu'il y a Nzembo, mon personnel, mon ami Nzembo, on a eu 100 qui m'ont dit qu'il y a eu. Donc, égoïsme, mon nom, je sais qu'il y a eu, donc, il y a eu Nzembo, on a eu Nzembo, on a eu Nzembo, on a eu. Bon, on a eu la morning, on a eu une décision, on a eu Nzembo, on a eu. Et ça ne peut que bas. Tu m'as dit que Yemba, Soleil, Mise, Monet, Silici, Ferré, tout le monde, mais comme il tourne en bas, et comme on sait que nous, on dirait, il faut, il y a au moins 5 personnes. Il y a Yanzé Monanga, Fadi, Bouron Pela, Ferregola, Chelampoutou, Nanensus, Naïmoko, les Big Boss. Donc ça aura 5 personnes, Nanga 6. Pour 5 minutes de 6 personnes, bah, il y a un peu injustice en fait. Et là, on a eu ma bé, et j'ai la télé mélange un peu en fait. Même si je viens, comment, oh non, vous me faites un peu, donc vraiment, on a décidé. Donc, ah, on a eu un peu, bon, j'avais rien à dire à l'époque. Déjà, tu ne pourras pas vraiment parler beaucoup de.
to résister dans moi le moment où si ça ne va pas. Donc mon aga grandi ma aga sala kaka c'est tout. Ils aiment au bon. Donc tu au moni bah dis mon aga prévenir na coca pena ko sala promo na ngote par rapport à ndenge na yembaki na ndenge bana mai ba yembeli ça correspondait pas na na idée na ngandenge sala mena ki po banze mbongo to yemba ngona bakini. Sous ko ngona yemba un moment donné na yembi mutu boye un moment donné na yembi mutu boye zo permettre ngate na la lèse n'est pas l'ingénieur n'aime bien dire mon nom quoi et donc du coup bah il s'est engagé vraiment fort dans le parcours on a au moins un bureau bon mais tant que Bimi les gens ont apprécié ils ont dit que oh il est bien ouais mais il m'aura une minute en fait maximum on a voulu bah une minute quarante du début jusqu'à la fin donc il m'aura une minute quarante mais sur Taliban dit mon papa n'a pas eu moins n'agit il y a des pires bandes qui nous toi t'as mon côté Yembi voire même que frère n'agit fait rigoler ouais. Quand on a moins que Yembi, on a un peu tourné pour se laver mon bouquet, on a dit papa, Yembi n'a pas de problème, il faut un système de lave, sinon pas de souci. Ça, c'est moi, Dieu, mon aïe, on dit mon insecticide. Voilà. On a préféré qu'on ait un peu de lave, on a besoin de lave, on a besoin de convaincre, on a besoin de lave, infinitément, on a besoin de lave, déjà depuis longtemps. On a vu que frérot, en tout cas, ça va. Tout me reste ça la moins loco on a dit pas tu es vraiment parti n'est pas passé mais en tout cas Dieu dans sa vie seconde donc ça fait je dirais 12 secondes ils étaient belés mais 12 secondes quand même c'est trop peu même pas 12 donc 5 secondes 5 secondes il y a Dieu donc c'est impossible que votre mari bague un gars n'a zappé moi boyer tout ça mais ça faisait partie du jeu et puis voilà on a obligé d'en dire moi tout voilà mais on dit Maya il y a beaucoup mais la carte pénale n'a rien à dire on dit maté donc voilà c'était ça en fait donc on a moni c'est un regret pour toi jusqu'à regret ouais regret Zali hein parce que sur le lobby que non humour le lobby na Zagi c'est une belle chanson quand même Fagi dans son temps aussi dans mon promo malgré nous tout ce qu'il a porté au bête à bête à beaucoup Fagi ça parmi Banzimbo yanga na voix qu'on a ouïe ma et le on a une barangote dans sa rare interprétation du coup mais qu'est-ce qui est réellement la base que au bête à Banzimbo en été ndeka bandeko na ba yemba nga bango bachilanga mutya mabe na ko ba na banzimo na bango egoisme nga pe na linga ite ba yemba mais tant ba yembi j'ai pas apprécié donc na c'est vrai que na mata mukete na souci même vie na bisi boss que non en tout cas po ni bango ba yembi a répondre nga ka que non mouvement za nga nga na ko décider quoi ah on le banine mbala mo kangi et puis c'est tout mambo to moni en wana na quartier latin. Et on va être au Tchentembo, on s'est décidé de Kimi na Potombamo. T'es là, Kimi, après, Kimi, c'est moi trop dur. Moi, Kimi, je suis au téléphone, 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 après, suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis au téléphone, c'est que ça va être vrai. Exemple, bon, on a cité la Ninga Mabete, entre guillemets, dans le sens que, bon, on a un soda, on a un soda, on a yaki, on a aussi ça, après, quand on a souka, bon, on a un bien, on a vie. Différence entre Mtakimi à 8h et Mtakimi à 18h. À 18h, à 6 contrats, à 6 contrats, on a un moussala, ou tu as un yo, et puis je peux m'en aller sans problème. Oh, ouais. Yo, on a une contrainte. Il y a une mission de service aux gens, on a 6 ans, on a un petit il y a déjà. Il y a déjà le droit contre moi. Il y a musique, il y a un bon anime, il y a un kimit. Prenez le langage. Il y a un kim, il y a un habité. Il y a le droit. Moutouka. Le soleil a colloqué, il y a un maïque pour tika, il y a un maïque pour zong. C'est un habité. Il y a un argument. On a pesaki. Il y a un monique salamité déjà, premier tour, deuxième tour. Donc, on a obligé ce qu'on a pu s'imposer. Argument. On a un sénaki. Il y a un personnel. Il y a un mot. Il y a un bon vieux. Il y a un nain. Ok, bon. Et ça, bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a ma solo. Deuxièmement, encore, on a dit qu'il y a oh, ok, bon, ils ont boué. Ils ont ok. Tu vois, ils ont personnellement, on a dit qu'il y a un personnel, voilà. Ils ont la vie. Un personnel, donc, et tu as dit que c'est pas si, tu as dit que c'est pas grave. Si, tu as dit que c'est pas grave. Si, si, tu as dit que c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit que c'est pas grave. Tu as dit que c'est pas grave. Tu as dit que c'est pas grave. Tu as ce qu'on a moni ma ramon angéza bien t. Au soleil na yo yebise que ngandé na zambo. T na soleil na été, na soleil na été, na soleil na été. On a déjà bah bon pour nanga na moni peut-être na vous vexé. Déjà ils m'ont lui bien déjà que oya qui a été pour tika là, oya qui pour nous salozong. Donc tant que tika les lo kimi, mais quand ce qu'on a kimi été,
Ils ont dit que non, si si boulot n'a pas, bon vieux, il y a un rôle de l'été. C'est-à-dire qu'il y a un coquille, bon, tu me suis dit, premier voyage, deuxième voyage, c'est bon. Et du coup, on n'a qu'à faire ça. On s'est dit, PID, on n'a pas peur de monter, on n'a pas de dérangement de monter, on n'a pas de. Bien, on a eu. Bien, on a eu. Ah, égoïa. C'est bien en l'oubat et y'a. Extra musica, intemporella. Oh, c'est beau. Aïe, mon aketa basoukoulou na moudia salé. Aka de Kilimanjaro. Mon aketa basoukoulou na moudia. Basala kwanto polisa moukema. Arafa se wanya. Basala kwanto polisa moukema.
Kelo na Toronto. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va super et toi? Ouais, bien. T'as la forme? Mais grave. C'est un plaisir de te recevoir. Plaisir de partager. Parce que l'album que tu viens de sortir, Athéna, te ressemble vraiment. T'es une guerrière. Beaucoup de gens disent oui, c'est toujours difficile. De toute façon, pour les artistes, c'est pas simple d'arriver à un certain niveau. Mais alors toi, tu cumules. C'est juste incroyable, en fait, ta vie. Et tu sais qu'on a un rituel. On va commencer par le début. T'es née à Toulouse, la ville rose. Oui. D'ailleurs, où se trouve ton accent? Il est où? Tu l'as gommé? Ben, il y est, mais moins prononcé. Ça fait 7 ans que je suis là, quand même. Mais il revient quand tu descends dans le sud. De temps en temps. Et quand je m'énerve aussi, il revient. Donc, t'es née à Toulouse. Tu es la plus jeune d'une fratrie de 5, c'est oui. ça? Oui. Ok. Tu es originaire du Maroc. Mmh. Ton papa, paix à son âme, dont on parlera tout à l'heure, était maçon. Il avait aussi une entreprise de nettoyage. Et ta maman, qui est maintenant à la retraite, travaillait dans l'aide à la personne. C'est ça. Ton papa qui est décédé quand tu avais 8 ans, était un guerrier, lui aussi. Il est arrivé en France, jeune. Il lui est arrivé de dormir dehors avant de faire, pour pouvoir réussir à faire venir sa famille et pour trouver du travail. Il lui est arrivé de dormir dehors dans des cabines téléphoniques en mode warrior pour justement essayer de s'en sortir. Puis de fil en aiguille, il a trouvé du travail et il a été dans des foyers. Puis il a réussi à faire venir son épouse et des frères et sœurs. C'est ça. J'imagine que ce genre d'histoire conditionne en fait une enfant. Quand tu sais que tes parents ont galéré à ce point et que ça a été dur, est-ce que c'est ça aussi qui a déterminé le fait que tu es vraiment devenue une guerrière? Peut-être, parce que j'ai eu l'exemple de mon père et de ma mère qui se sont battus pour nous. Et voilà, et je n'avais pas le droit de baisser les bras et il fallait que je me batte aussi. Et puis la vie, c'est comme ça en vrai. Ouais. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées? Les principales valeurs? L'amour, le respect de soi, le respect des autres. Mmh. J'ai l'impression que dans ta famille, j'ai eu la chance de parler à deux, trois personnes. C'est pas le moment de solitude, tu sais. Tout le monde est super gentil. C'est genre la bienveillance, on dirait que c'est le mot d'ordre, en fait. La bienveillance, bien sûr. Et puis, tu sais, on est quand même 5 filles, on n'a pas eu de frères, donc il fallait qu'on se protège. Mmh. Il fallait qu'on se protège, il faut qu'on se soutienne. Et puis, on a grandi comme ça, nous. Ta première chanson, tu l'as écrite pour ton papa à l'âge de 8 ans, suite à son décès. Et puis ensuite, tu lui as dédié une chanson qui s'appelle Poupia. Oui. C'est la suite, finalement, Poupia. Est-ce que tu l'as encore, le texte que tu as écrit quand tu avais 8 ans? Honnêtement, non. Je ne l'ai plus. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas du titre. Mais le premier morceau que j'ai écrit, c'était pour mon père, en tout cas. Mmh. Et tu as enchaîné ensuite, parce que 8 ans, c'est hyper jeune, en fait. Oui. Bon, j'ai écrit des petites phrases que je pouvais ressentir à 8 ans, quoi. Mmh. C'était pas non plus... En tout cas, j'ai mis sur papier ce que je ressentais. Yes. J'ai essayé, du moins. Tu grandis dans une cité. C'est vrai que quand on pense à Toulouse, on voit la Garonne, on voit... voilà, moi, je trouve que c'est une ville magnifique, hyper cosmopolite. Sauf qu'en fait, paradoxalement, toi, tu es dans l'une des plus grandes cités d'Europe, si ce n'est la plus grosse, les Mirailles. Quelle est la différence, finalement, quand on est en province, d'être dans une cité en province, aussi grosse qu'elle puisse être, ou quand on est dans une cité en banlieue parisienne? J'imagine qu'il y en a une énorme, en fait, finalement. Je ne sais pas en quoi c'est différent, finalement. Parce que j'ai l'impression que ça ne change pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est une ville... c'est une cité, en fait. Dans une ville, finalement. Il n'y a pas vraiment de différence, moi, je ne trouve pas. Toi, tu bougeais un peu quand même dans Toulouse, etc., dans les autres quartiers, tu te baladais un petit peu, ou est-ce que tu as eu l'opportunité... J'avais mes copines qui étaient de partout, ouais. Je traînais un petit peu avec mes amis qui étaient de la cité d'à côté, j'ai pas eu de... Toulouse, c'est une ville très mélangée, très métissée, en fait, finalement. T'as quand même des gens de partout, t'as des gens même qui viennent d'Espagne, etc. Qu'est-ce que tu as pris justement de toute cette diversité? Même dans la musique, on entend beaucoup de, évidemment, pop orientale, de pop urbaine, mais j'imagine que tu as dû prendre de plein d'autres horizons aussi. Plus ou moins, on l'entend dans ma musique. Et puis même les anciens, quand ils écoutent, généralement ils me disent que je leur rappelle la musique d'avant. C'est parce que voilà, j'ai grandi un peu avec plein de mélanges de musique, plein de mélanges de personnalités, des gens de toute origine. Et c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'on dit souvent que ma musique, elle est plus ou moins, elle est riche. Bien sûr. Bah c'est ça qui est cool. Parce qu'à la fois, tu as grandi avec Céline Dion, que tu adores. Tu adores Chris Brown aussi. Ouais. Mais en même temps, Oum Kalsoum aussi. Aussi, et tu as réussi à en faire un mix 2.0.
Ta science, c'est ça ou c'est vraiment juste ta vibe? C'est vraiment ma vibe. J'ai pas de, moi, tu sais, j'ai pas de stratégie. Hein. J'y vais au feeling, avec ce que je ressens, avec ce que j'ai sur le cœur, simplement, naturellement. On me dit que t'es déter, que t'es une élève indisciplinée à l'époque. Je crois. Joe l'électron libre. C'est-à-dire que tu sèches les cours même pour aller chanter avec ta sœur Nadia. Ouais. Faire des scènes. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, en fait? Parce que c'est pas rien, quand même. 12, 13 ans, aller faire, tu vois, avec kermesse et machin, je chante, je vais pas en cours, enfin... Bah, j'étais une élève assez agitée. Et puis moi, il faut savoir que comme je suis la dernière d'une famille de 5 filles, bah, étant donné que j'ai perdu mon père, on m'a surprotégée, on m'a même trop donnée. Et j'en faisais qu'à ma tête. J'en faisais qu'à ma tête. Et l'école, pour moi, c'était pas important, à mon âge. Et voilà, et j'allais faire de la musique alors que je n'avais pas le droit d'en faire. Ma mère, elle me disait, tant que tu ne te comporteras pas bien à l'école, tu ne feras pas de musique. Et tu y allais quand même. Là-bas, j'y allais quand même. Jusqu'au jour où elle me découvre sur scène. Voilà, et là, elle a changé du tout au tout. Sylvain Poitier, Yaya Nalaya. C'est plus en fond de mon papy, même de fantôme. C'est un peu ça. Sambaye, bien d'un peu ça. Comme on t'a battu, il a n'a pas que la malédiction. Christian Bengongo, Peter, le grand Mundibu, Noël Katoua, Jovès, le titulaire, Louisa Mokoto, toujours. Mamou Charlotte, Chimbalanga, Yafino, Tour du Monde, et Napoli Lipemba, Silva Kalenda, le grand roi. C'est Ita, roi ma coco l'inverse, des Pascons des gars, Roger Lino, fou le Lukisu, la Chine, Chouke Lomboto, Yokas Yondo, la force terrestre. Donnez nous la nouvelle fréquence, Jean-Marc Ondita, Marquise Chimanga, Albert Belonoso, Chahida La Rose, Ipo Makaya. Jean-Pierre Choma Choma, Valérie Lusando, Mayol Jean. Sindro Dibala, Bolingo Chamala, Superfils, Mufankolo, Jean Rombo, Freddy Lusando. Gilles Minter, Yemisa Nise, Bamouela, Natiko, Labaya. Nathalie Dikamana, Loris la Cantonaise. La joie de sauver, faisant comme les Delta. On dirait mais ça au Paolo. Fernande copine, Damien Cosma, Charlène Michel, Yokale Prince, Minas de Londres, Rina Molumba, Dito Faisala, Jim, Luzaïla, mon thème est joli. Mathieu Michelera, Tabou Daza, délice des ordres. Ah ouais! Tu vas me donner, mais nous t'entends.
Lelo na Toronto.